Ouais, t'as ça, le Québec-Canada pour le Sud-Ouest France, 14, bravo Charlie, 33-01. Salut, j'ai entendu, parce que bon, là, quand je suis occupé sur l'ordinateur, comme ça, j'ai le web SDR qui est en même temps allumé, ouais. Et je suis bien souvent sur le 27-625, et là, j'entendais parler, j'ai entendu Gilles aussi. Oh, je me suis dit, vite, 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 que je termine ce que je suis en train de faire, pour vite, 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 profiter justement d'être en QSO avec le Québec. Ah oui, monsieur. Et toi, comment vas-tu ce matin? Ça Ben marche. oui, tu m'as reconnu. Tu m'as reconnu, Juliette Lima 2505. Ben oui, Jean-Luc. Tu m'étonnes. Ah, c'est excellent. Bon, oui, ici ce matin, mon ami, là, le WX, là, ben, il y a du soleil. On nous annonce 12 degrés après-midi, là. Hey, 12 degrés, là, ben, toute la semaine, il va faire chaud, là. 15. La nuit, ça va baisser un peu, mais dans le jour, là, ça va être chaud, la nuit, quand ça va, crée-moi, là. Ah, oui, on s'en va en printemps, nous autres, avec, là. Oh oui, je vais passer mon ami Gilles, là. Oh oui, il est à l'arrière de la partie, là. Il est pas bien, bien loin, fait qu'on va y laisser C'est bon, la ça. partie, mon ami. Vas-y, mon Dieu, c'est pas Dieu. Putain, je l'attendais là, ce QSO, je l'attendais. Je sais qu'en plus là, on est. Attends, comment ça se fait que j'ai pas de son là de. Ah bah oui, voilà. Ok. Bon, si, d'accord, ça passe de ton côté, ça passe bien même. Attends, peut-être un peu trop même. Attends 2 secondes. Mais ça va nickel. Là, j'étais en train de regarder un peu les messages à droite, à gauche. Et en attendant justement qu'il y ait une ouverture du Québec pour vite débrancher l'antenne du web SDR et brancher le poste à la place. Oui, c'est là, ben oui, quand tu vois que ça passe sur le SDR, let's go. Oh oui, c'est sûr que maintenant, eh bien, je saute plus sur le poste comme je faisais avant. Je lance, attends, j'essaie de faire 2 choses en même temps. Je lance le web SDR là sur le PC, hein, et vu qu'il est chez moi, de toute façon, ça revient au même, mais ça me permet d'avoir une écoute beaucoup plus large et de pouvoir être de suite là. Là, c'était le temps que je finisse de regarder les messages et puis voilà, je suis là. Voilà. Pour le logo, bon, c'est bon, hein. Là, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'attends simplement que tu aies vu là, le dernier message que je t'ai mis sur Messenger pour t'envoyer ça. Alors là, normalement, on ne touche plus à rien. C'est... J'en ai marre. Non, mais là, franchement, il est nickel. Alors, je t'enverrai les 2 versions. Alors, ta version perso propre à toi et une autre qui pourrait être distribuée à ceux qui veulent marquer eux-mêmes l'indicatif dessus ainsi que le QTH. Car effectivement, tout en bas, j'avais marqué QTH Bravo Charlie Québec. Mais bon, d'un de tes messages, tu m'as dit que il y aura aussi des Bravo Charlie d'ailleurs, donc ce sera forcément leur pays qui sera marqué dessus. Bon ben ok, d'accord. J'ai gommé ça et comme ça ils marqueront leur pays. Voilà, pour ceux qui voudront le faire eux-mêmes. Bon, ben si t'as pas compris ma bouillie, je te la réécrirai. Non mais là tu verras, la dernière version là que j'ai fait là, c'est tip top et les ailes sont mises
Alors c'est ça fait tout à fait style aile d'ange ou dangereux comme tu veux. Alors les ailes d'ange qui sont en transparence de dessus. Et là justement où on met l'indicatif et le prénom. Et aussi l'antenne pylône là que je t'ai montré, que j'ai placé là où tu m'as dit. Ah, mais de toute façon, je t'enverrai ça tout à l'heure. On va d'abord profiter du QSO, on va d'abord profiter des uns des autres. Et au niveau de sur Messenger, là, je t'ai mis un truc. J'ai compris le réglage qui fait le con chez toi, là, au niveau des partages. Je sais lequel que c'est. Et je t'ai mis ça, là, sur Messenger. Tu verras ça tout à l'heure aussi, hein. Et quand tu auras vu ça et tout ça, je t'enverrai les logos. Je te mettrai les explications avec. Mais on va d'abord profiter là des uns des autres pendant que la propague est encore là, quoi. Hachi, retour sur Jean-Luc. Oh oui. C'est fini, faut pas se lever là-dessus. C'est excellent. J'ai bien hâte d'avoir un peu votre nouveau logo. Bien oui, à toi, mon ami. Ah, là j'en apprends une bonne. Ah, c'est bon ça. Ok, donc Gilles t'en a parlé. Alors là, Gilles, est-ce que je vais faire un retour de micro sur Gilles. Gilles, est-ce que tu lui as attribué un indicatif Bravo Charlie? Si oui, bah, tu me le diras. Je lui ferai son logo à lui, personnalisé pour lui, et puis voilà quoi. Retour Gilles. Le début c'est le début. Là par contre la fin, waouh, c'est le truc. Tu vas pouvoir le vendre. Tu vas pouvoir t'acheter un bateau avec. Oh oui. Ah, vu comment il est le logo. Ah oui, tu le vends aux enchères, t'achètes un bateau avec. Ah si, 3 coups, 10 coups, 20 coups. Rien que le logo à lui tout seul, ouais, tu le vends aux enchères, tu te paies un voyage, hein. Ah ouais. Bon allez, on y croit très fort. Non mais n'empêche que là, franchement, si on rajoute quelque chose de plus, je crois que ça sera en trop. Là j'essaie de redevenir sérieux 30 secondes. Pour moi, faut plus rien toucher. Là il est temps de passer à la production, quoi. Oui monsieur. Donc au futur Bravo Charlie, ce que tu leur proposeras, c'est soit on met nous-mêmes leur indicatif dessus, ou alors on leur laisse mettre l'indicatif dessus, au choix. On leur donnera le choix, tu leur donneras, parce que c'est toi, ô grand maître de la radio québécoise, qui leur expliquera ça, qui leur dira, c'est comme vous voulez, j'ai ça pour vous, soit vous mettez votre indicatif dessus, soit on vous le met. Ce sera comme tu veux. Ah,
Ouais, non mais attends, je te vois venir. Je peux pas être partout, hein. Je peux pas tout faire, hein. Je suis pas une pieuvre. Et puis, pour le listing des QRZ, il faut qu'il y ait qu'une seule personne qui le tienne. Hein. Sinon, c'est le bordel. C'est comme dans une tribu indienne. S'il y a plusieurs chefs, c'est le bordel. Là, s'il y a plusieurs personnes qui tiennent le, qui tient le listing, c'est le bordel aussi. Donc, non, c'est toi qui tiendras le listing, de la même façon que tu fais là pour marquer là tous les QRZ des contacts. Voilà, ça sera pareil, quoi. Le principe est le même, quoi. Tel OM, ok, tel QRZ, bravo Charlie. Et puis en avant, et puis ceux qui veulent que ça soit marqué dessus, qui veulent qu'on le fasse, eh bien ok, tu m'envoies les QRZ avec le prénom de l'OM, je te fais ça, je te le retourne et tu lui donnes. Voilà comment on fera, quoi. Ça marche. Oui, voilà, oui. Mais il faut. Ah, j'ai cru entendre quelqu'un d'autre derrière. Ou alors c'est ma grande gueule que j'ai entendu. Oui, non, mais il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule personne qui tienne le listing. Hein. Et je peux te dire que par expérience, quand il y a deux personnes qui tiennent les listings, c'est le bordel sans fin. Donc, il faut qu'il y ait vraiment que toi qui tiennes le listing et personne d'autre. Hein. Voilà. Hein. Bon, en tout cas, la propague est bien là, hein. C'est... Ouais, monsieur. Bon alors, qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Louis, là, de ça? Oh oui. Affirmatif. Alors il y a un break de je sais pas d'où qui envoie les gourmandings vers le QTH9. Vas-y Gilles, prends-le parce que moi j'ai rien compris. Hey, bonjour. 73 14 bravo Charlie 3 3 0 1 sud-ouest France. Au secours, je te la laisse, parce que là, j'ai les neurones qui sont en train de faire une surchauffe. Va falloir que je ventile tout ça. J'ai essayé, là, hein. J'ai essayé de me mettre un peu à l'anglais, là, mais c'est pas gagné l'affaire. Hein. Ah oui? Eh ben, t'as de la chance. Oh putain, j'ai une anecdote à ce niveau-là. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais essayé de participer à la fête de l'homologation des 40 canaux comme on connaît nous, mais en Angleterre. Voilà, tous les ans ils fêtent l'homologation des 40 canaux.
Et j'avais essayé de participer une fois comme ça. Alors j'étais dans le push sur la colline à côté de chez moi. Bon, la propague était très forte hein, et tout, hein. Surtout de ce côté-ci, quoi, du côté de l'Angleterre et tout. Oh, y a, j'avais un papier devant les yeux. Ce massacre. Je peux te dire que ça fait rigoler tout le monde. Hein. Oh, y a. Et tous ceux qui ont regardé la vidéo avec, hein, tout le monde était mort de rire. Hein. Et puis moi avec d'ailleurs. Parce que quand... non mais je me dis, c'est pas possible. C'est pas pour moi ça. C'est sûr. Ah c'est sûr, oui. Ouais, ouais, mais vous autres, les Québécois, vous êtes, attends, comment on dit, franglophone. Ouais, c'est ça, franglophone. Alors, évidemment, c'est plus facile comme ça, quoi. Mais déjà que moi, quand ma mère m'a mis au monde, elle a oublié de rajouter des barrettes de mémoire. Alors, je te dis pas les dégâts après pour apprendre les langues étrangères. Japonais? Putain, c'est pas un con, lui, hein. Waouh! Ah non, de Dieu! Ah, toi, t'es pas un con du tout, toi! Waouh! Chapeau bas! C'est, je me sens petit à côté, quoi. et au fait, là, on a perdu Gilles, là, pour le coup. Hein. Alors, il doit être en train de prendre son café, là. Waouh, c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Le volume est peut-être un peu fort, ça doit saturer un peu. Alors il y a DX et DX. En principe, le vrai DX, c'est aller à la chasse. C'est comme on va à la chasse au renard ou comme vous appelez la chasse mobile. Le vrai DX, c'est ça en principe. C'est tu te balades sur les ondes, tu vas à droite, à gauche. Bon, tu fais pas comme certains de suite à squatter le 555, lancer des appels dessus. Ça rime à rien. Tu vas à droite, à gauche sur les fréquences, tu te balades partout. T'écoutes, tu reviens en arrière et tout ça, hop, t'entends quelqu'un, t'essaies d'écouter pour voir quel pays c'est, ceci, cela, oh, ça t'interpelle, ça te titille, tu lances l'hameçon, autrement dit, tu lances l'appel et puis tu vois ce qu'il en ressort. C'est le voilà. Et puis bon, après la suite, chacun sa merde. Hachis trois coups. C'est le vrai DX, c'est plutôt ça. Nous, ce qu'on fait. C'est entre guillemets, c'est des QSO grand local, quoi, et on s'éclate. Donc, ce qu'on fait là ou ce qu'on ferait en local, c'est du pareil au même, quoi. D'accord. D'accord.
qu'on est sur l'AM, mais quand on est en DX, puis en Bible, mais c'est un autre monde, puis tant que j'en vais, mais je suis en train de parler ça, là. Ah ouais, ouais, et on pratique, on pratique. Ah oui, puis alors là, en plus, comme voisin, t'as un grand maître de la Sibylle. Hein. Oh oui, alors lui, et puis, il faut être sportif hein, pour enchaîner les contacts comme il fait. Hein. Et encore, là, depuis son accident, il est calmé là au niveau rapidité. Mais je me souviens, moi, avant, hein, sur le précédent cycle de Propag, mais Gilles, il enchaînait les appels plus rapidement qu'il enchaînait les cafés, quoi. C'est... Il jonglait d'un OM à l'autre, et puis il oubliait personne, il se trompait pas dans les QRZ. J'hallucinais, moi, derrière. Mais comment il fait, quoi? Comment il fait, quoi? Et même là, déjà, en ce moment, l'air de rien, à chaque fois qu'il prend un contact, il se le marque sur une feuille, il le marque sur Cluster DX. Là aussi, c'est pas évident, quoi. J'avais commencé à marquer aussi sur Cluster DX. Ah, j'ai bugué vite fait, quoi. J'ai du mal à faire les deux. Hein. Comme diraient certains, je suis pas multitâche, moi. Et puis ça c'est clair. Hein. Si j'essaie de faire deux choses en même temps, je me vautre, je me trompe à un moment donné, c'est sûr et certain, quoi. Bon alors Gilles, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Il est où? Entendu. Il est là. Alors il y a eu de l'écho dans les il est où, il y a un autre OM aussi qui a envoyé la même chose. Je me souviens plus de son prénom. Je vais laisser un blanc pour le laisser passer. Oh, je l'entends plus. Vas-y, lance l'appel et la pioche, Gilles, et tout le reste avec, le râteau et tout, là, pour voir ce qu'il en sort. Bon, d'accord. Là, il a la bouche pleine. Il peut pas parler. Alors, j'entends gazouiller derrière, mais non. Pourtant, là, je suis sur Ottawa, là, en même temps. D'ailleurs, je m'entends bien dedans, ça passe bien dedans. J'étais obligé de baisser le volume un peu, même. En tout cas, pour Gilles, j'imagine le tableau avec ses céréales dans la bouche. Il prend le micro, il se met à parler. Ah putain, là il te crépit toute la station, quoi. J'imagine, j'attends de voir ces vidéos avec des céréales de coller partout sur le poste. Routier, puis après ça, on va envoyer ça sur le transfert des X. Allez,
travail, mais c'est tout un travail. C'est tout un travail, mon ami. Oh oui. Oh oui, alors il y a eu un break. Vas-y, fais le rentrer et en avant. Ouais, bah ouais, en avant le break. En avant le break, il y a eu un break. Il y a eu un break. Pas pareil, mon Dieu. Oh là, il est parti faire caca. Bon alors le break qu'il y a eu en avant avec les 73 51 de 14, bravo Charlie, 3301. J'ai pas compris. Ah bah tu m'étonnes, je suis allé le récupérer juste à la fin de son message sur 27 624.8. C'est oui facile. Ah, ça a dit cambio, donc c'est pas du francophone. Bonne déduction. Tu parles pas la langue spaghetti ou macaroni ? Oh, quand même ! Non, non, moi, je parle pas la lasagne. C'est ça. C'est ça, oui. Bon, on n'a pas le petit renard aujourd'hui. Ah, peut-être qu'il passera tout à l'heure. Oui, la trompaille, elle joue des tours. On dirait qu'elle est en train de changer de bord tranquillement. Hein. Elle décolle plus tard, mais ça change. On voit que ça change. Hein. L'accélérateur, elle change, tout change de notre bord. Hein. Avez-vous changé de bord, Rémi, sur votre côté, ou bien non, c'est bientôt? Et quand tu dis que la propague, elle change de bord, fais attention à ce que tu dis, parce que c'est pas ta confusion. oui, nous, le changement d'heure, c'est à la fin du mois. Ok, QSL, ok, vous autres, c'est après nous autres. Oui, parce que nous autres, c'est ce week-end ici. Là. Nous autres, c'est ce week-end ici, je pensais que c'était... Déjà? Oui, ok, ça fait que c'est à la fin du mois, vous autres. Ah ben là, tu m'as mis un doute. Il me semblait qu'il n'y avait qu'une semaine d'écart entre le Québec et la France, ce changement d'heure. Là, tu m'as foutu le doute. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a seulement qu'une semaine d'écart entre nous deux. Oui, entre vous autres et les autres, il y a seulement qu'une semaine d'écart. Et si je me rappelle bien, mais l'année passée, c'était avant nous autres. Mais je ne suis pas sûr, je ne peux pas te garantir, moi. Ok, donc pour nous, c'est dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024, donc. C'est voilà, samedi 30 au dimanche 31 mars. Voilà pour nous. Hey, QSL, mon ami, bien oui, parce que nous autres, ça se fait en week-end. Hein. Le week-end qui s'en vient, là, ça se fait là, oui. Entre le samedi et le dimanche, là, le 9 et le 10, là, c'est là que ça se fait, là. Alors, apparemment, parce que là, j'ai lancé une nouvelle recherche pour le Québec, ça serait dans la nuit du... Hein, plus exactement le dimanche 10 mars 2024 à 2h du matin. Oui, bon, bref, dans la nuit du samedi au dimanche 10 mars, c'est ça serait là, quoi. Toi, voilà. Si Gilles, quand il fait ses vidéos, il n'a pas de compteur dessus qui le coupe automatiquement,
Moi, sur ma caméra, alors là, c'est chiant. C'est un appareil photo caméra. Et quand je lance l'enregistrement, eh bien, ça se bloque à 29 minutes quelque chose. Et ça, c'est chiant. Et là, toi, là, j'avais pas fait attention. Tac, bon, ben, je viens de redémarrer la caméra pour attraper la suite. Donc oui, alors je suis étonné là pour cette année. Vous, c'est là, dans la nuit du 9 au 10. Et nous, c'est carrément à la fin du mois. Alors que je me souviens, moi, l'année dernière, il me semble bien qu'il n'y avait qu'une semaine d'écart entre les deux. Ou alors c'est moi qui déconne, ce qui ne m'étonnerait pas aussi. Alors du coup, vous avancez d'une heure, eh bien, on va se retrouver avec 5 heures d'écart au lieu de 6 heures. Ah putain, je préférais 6 heures d'écart, c'est plus facile à compter, quoi. Oh, la propague a fait le yo-yo. Ouais. C'est comme t'as dit tout à l'heure, elle est en train de changer de bord, la propague. Oh, bordel. Ouais, elle est en train de tourner, là, la propague. Ouais. Ah, ça y est. Il y a quelqu'un derrière. Il semble entendre quelqu'un derrière, je suis pas sûr. Ah, Pierre. Roméo Charlie. Ouais, 14 Roméo Charlie, c'est. Voilà, 14 Roméo Charlie. 14 Roméo Charlie, 3-2-0. Et c'est Jean-Luc, Juliette Lima, 2-5-0-5, Jean-Luc au micro, quand même. Ah oui. Je vois pas bien, mais je crois que c'est 15, donc on a... Là. Ah non, c'est 13 degrés, ouais.
Ah si, il passe un peu au cuira. Est. Comment il passe ça, hein? Ça va être beau aujourd'hui, le beau et chaud aujourd'hui, car le soleil
Ouais, je surveille un peu plus ce volume parce que si moi mes oreilles ça sature pas et donc le son est bon pour la caméra, il y a c'est déjà arrivé qu'il y ait une saturation. Oui, je me souviens, au mois de juillet, le Québec a fait quelques apparitions, début juillet je crois. Et je surveille derrière. Merci Plon, autour de micro. Alors attends, je vais envoyer en même temps les 73-51 Richard qui essaie d'entendre le Québec là derrière depuis chez lui. Alors je sais pas s'il m'entendra. Au cas où, Richard, les bonnes 73-51. Et ben, n'hésite pas à cogner à la porte si tu m'entends. C'est... Bon, en tout cas, oui, Gilles, là, je me suis connecté là sur le sur Facebook, sur ton groupe. Non, Pierre, apparemment, il n'a pas envoyé de demande d'ajout, ou peut-être qu'il y est déjà, je sais pas.
Avec les bonnes 113, 51 lui, de 14, bravo Charlie, 33-01 sur la Gironde. Eh bien, Norma, eh bien, alors, attends, parce que là, tu m'as perdu. C'est Pierre ou c'est Richard à qui tu viens de donner le nom du groupe des tenants? C'est à Pierre, je crois, non? Ok, merci Pierre. Les 73, 51 retournés. Eh bien, ça passe pas, moi, de mon côté, là, en direct. Alors, je vous écoute via le WebSDR d'Ottawa. Comme quoi, il faut aller chercher au loin pour entendre ce qui est plus près. Voilà, et bon, en tout cas, du côté d'Ottawa, là, ça passe vraiment super bien par là-bas. Hein. Alors que au QRA, non, là, j'ai rien. Retour Gilles, parce que il m'entend quasiment pas. Roméo Charlie, voilà. Ouais, il est tombé de sa chaise, ça passe encore bien de mon côté. Il passe pareil, peut-être un peu plus fort au QRA que sur le WebSDR d'Ottawa. Alors, le WebSDR d'Ottawa, c'est Victor Echo 3, Hotel Oscar Alpha. Pas compris. Il n'y a pas de problème, ouais, c'est très petit.
Quintin. Ouais, je pense que Gilles aussi, il y a de la misère un peu, là. Ouais, je pense que c'est plus petit chez eux. C'est plus petit chez eux, hein, Gilles? T'as vu, tu passes bien, ouais, hein. Ça redescend, ça monte, ça redescend. Et moi, tu l'entends presque plus, je l'entends. Quand je l'entends plus, tu l'entends. Donc, on va faire attendre, si tu veux attendre un petit peu derrière, on va prévenir des 14 250 Alain, là, qui s'est manifesté dans l'ensemble du groupe. Avec votre permission, on va faire entrer si vous êtes accueillis pour aujourd'hui. Ça passe comme une tonne de briques. Il entend même les SWL. C'est bon, ça. Waouh, c'est du téléphone, alors. C'est du téléphone, hein. 59 plus ici, hein. Ben, ça fait toujours plaisir, par contre, surtout dans des conditions... T'es c'est remonté d'un coup, hein. Waouh. Oui, ben, toujours en tout, je vais nous dire, alors, hein. Je suis 35 dB en ce moment au Québec. Plus 30. Degrés de mon côté. Spécial comme installation. Ouais. Bonjour Gilles, bonjour Jean-Luc. Ben, je n'ai pas un peu de 45 dB que j'ai dit. C'est 35 dB plus 9 plus 35 ici à la station. Donc, moi, il est comme 7700 à Saint-Sauveur. Salut tout le monde, je vous écoute avec. C'est très, très intéressant. J'écoute les QSO. Et my God, il va monter. Il va monter à 40 dB, ça continue comme ça. La propagation. Ben, puis Jean-Luc, tu passes à 7 quand même ici. Gilles, il en fait un petit peu moins. Hey, après ça, Jean-Luc, le Québec, on est à l'écoute. Le Québec a des grandes oreilles.
Le Québec passe comme une tonne de briques sur la 14. Oh oui, monsieur, les 73-51, 14, bravo Charlie, 33-01, le département de la Gironde, sud-ouest de France. Il n'y a pas de souci pour la Gironde, mais bien le bonjour. Le Québec vous entend très bien. On est trois. Il y a Gilles, Jean-Luc et moi, un peu plus au nord d'aller rentrer. Mais, non, ben, moi, j'écoute beaucoup. Puis là, quand j'ai vu le signal, notre ami, j'ai dit, ma gueule, ça n'a pas de bon sens. Et ça passe comme une tonne de briques. Comme ça, on se disait, effectivement, c'est notre. Notre patois ici, notre vocabulaire au Québec, ben, il y a d'autres expressions qu'on utilise également. Il n'y a pas de problème. Allez-y, la Gironde, et faire tourner vers Jean-Luc ou Gilles, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Vincent, 9 Charlie Fox, unité 0 UT. Allez, la Gironde, à vous le micro. Les 73 au tourné, Vincent, mais on se connaît déjà. J'ai changé d'indicatif là, il y a pas longtemps. Tu me connais peut-être plus sur le QRZ de Dandy 33. Hachi trois coups. Voilà. Là, je suis devenu, là, depuis quelques jours, 14, bravo Charlie, 33-01, voilà. Et côté météo, nous ici, là, ben, c'est du 13 degrés. Du soleil avec les giboulées de mars, hein, donc pluie intermittente. Hein. Et ouais, là vous, le Québec, là vous tous, hein, vous passez vraiment comme une tonne de briques. J'adore vos expressions, ouais. C'est super. Ouais. Vous passez tous vraiment très fort ici. Tout à l'heure, que le premier coup tu t'es signalé, c'est monté à plus 30, moi ici. Hein. Et là, ça reste en haut, hein. Ça reste à plus 10, plus 20, Santiago 9, ça tourne autour de ça, quoi. Et là, waouh, on croyait que la propague était en train de tourner, comme dit Jean-Luc, de changer de bord. Je sais pas comment il faut le prendre, hein, quand il dit ça, je me méfie, moi. Moi, c'est pareil de mon côté, je croyais que la propague était en train de tourner, qu'on était sur la fin de la propague hiver, voilà, tout simplement. Et puis, en fin de compte, non, hein, vu comment ça passe, waouh. C'est vraiment très très fort. Hein. Retour de micro. Ouais, ok, merci. Puis je vais repasser par juste une petite information. Vincent. C'est 14, bravo Charlie, 33-01 maintenant, Dandy. Affirmatif, anciennement 14 km 33-01. Et là j'ai changé pour prendre l'indicatif de Gilles. Puisque là, on est en train de faire un truc, surtout lui, hein, c'est lui qui a lancé la perche. Donc maintenant, je suis 14, bravo Charlie, 33-01. Alors 33 pour le département de la Gironde, 01 parce que ben, je suis le premier bravo Charlie sur la Gironde. Ben pourquoi pas, ben c'est le fun, c'est agréable, ben effectivement, très bonne idée. Dis-moi, tu vas être éventuellement sur Cluster DX, puis rappelle-moi ton petit nom encore une fois, s'il vous plaît, puis après ça, on passera le tour vers nos amis Jean-Luc et Gilles sur leur côté, de t'entendre comme une tonne de briques également. Ton dernier passage, oui, il a baissé un petit peu, mais à 25, quand même. Agite. T'inscris, t'as demandé à Tomac de changer ton indicatif sur Cluster DX ou bien non, tu l'as rajouté tout simplement. Allez, en avant pour Vincent. Ok Vincent, alors mon prénom c'est Rémi, Romeo Echo Mike Yankee, Rémi, QRZ local, Dandy 33, anciennement 14 km 33-01 pour devenir 14 Bravo Charlie 33-01. Et oui, j'ai commencé à faire le changement là sur Cluster DX. Ah, c'est super, ben excellent, fait que je vais pouvoir noter le QSO et y a pas de souci. Bon, je vais aller voir tes coordonnées, je vais certainement t'envoyer ma carte QSL par la poste, si c'est possible, alors y a pas de souci. Ah, je te laisse, Rémi, avec Jean-Luc et Gilles, très apprécié en fréquence, alors
Je redonnerai le tour à nos amis, puis je te souhaite une bonne journée. Et ici également, aujourd'hui, à plus 15 degrés qu'on annonce à Saint-Sauveur, au nord de Montréal. Une très belle journée avant la pluie de demain. On en profite pleinement. Je vais aller faire de la snowboard cet après-midi à la station. Ça va être, évidemment, je vais en petit t-shirt et en, certainement en short. On va enlever nos manteaux d'hiver, quoi. Allez, François Rémy. Oui, je me rappelle de toi, Danny Trottois, il n'y a pas de souci, mais ouais, j'avais plus le prénom. Alors, je vais tourner le tour, puis je te salue, Rémi, puis on retourne vers Jean-Luc ou Gilles. Moi, je vais rester sur les grandes écoutes avec les oreilles chromées. OK, ben justement, je reprends le micro rapidement, parce que là, j'ai l'XYL qui vient d'arriver. Ça va être l'heure du cappuccino pour nous. Donc, je vais passer en QRT. Merci Vincent. Les 73-51, tout le monde du côté de la 9, Gilles, Jean-Luc, ainsi que les autres OM qui y a derrière, ainsi que du côté de la 14, les 73-51 à tous. Vincent, vu que c'est en cours de transition, j'ai changé une partie de mon QRZ là sur Cluster DX. Alors si tu arrives pas, si ça passe pas sous 14, bravo Charlie 3301, peut-être que ça passera encore sous 14 kilomètres 3301. On sait jamais l'un ou l'autre. Mais bon, sur mon profil, j'ai fait le changement. C'est juste qu'il faut que je contacte l'administrateur pour changer le logging. Voilà, c'est où je sais plus quoi qui est obligatoire de passer par eux là au niveau changement. J'ai un petit peu de mal à comprendre parce que c'est en anglais sur leur site. Allez, les 73-51 à tous, merci du soleil que vous nous envoyez là du Québec, parce que là il est rendu là le soleil. Hein. Il est rendu là, mais avec une température un peu plus basse, puisqu'on a 13 degrés, contrairement à chez toi, Vincent. Allez, les 73-51 à tous, Gilles, tout le monde, de la part de 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy 33, et Gilles, je m'occupe de la suite là pour les écussons. Bye bye, merci. Merci. Ouais, c'était tout au QRP, mais c'est passé. Les 73-51 retournés. Ah putain, j'ai reculé là. Les 73-51 retournés, tu veux Santiago 9. Hein. Waouh, le Québec m'arrive à Santiago 9, les stations d'A14 m'arrivent en QRP. Quoi. Merci, bye. Ça, Gilles, il n'y a pas de souci. Moi, je reste à l'écoute avec les oreilles tout grand ouvert sur le 625, la fréquence des talents. Allez-y, Gilles. Tu fais des bons QSO de ce temps-là. Ça marche à pleine porte. Attention, maintenant. La Bourgogne. Eh hey, la Bourgogne, c'est à toi, mon ami, de Julien Dimard de Saint-Germain. Allez, Yalo qui commence à chauffer, ça va faire du QRM dans les oreilles. Et 73-51 à tous. 14, bravo Charlie, 33-01. Le groupe des Tannants avec la planète Sibi francophone. Et bon QSO! Oui, la tracteur qui commence à ouvrir la porte, tantôt c'était tranquille, mais là ça rentre comme des tonnes de briques. Et il y
y a beaucoup de monde qui se présente, là, c'est très très bon. Là. Les autres, le printemps est en train de s'installer. Là. Alors, je peux pas lui couper la parole, c'est pas possible. Voilà. Thank you.
I remember that correctly.
Thank you.
L'autre, il s'est trouvé au niveau de l'étage. Quelqu'un a trouvé d'entrée. Les couches de sécurité, ce qui fait que le gouvernement se... Les 73-51 de la planète Sibi francophone.